c'était tout mou à la fin. Bah ouais, c'est vrai. Ça a fini dans la molle, quoi. Ouais. Tu veux que je reprenne là ou quoi? Ouais, je peux faire un autre chose là, en fait. Vas-y, je préfère tout autour du chandelier et pas d'Aïental. Tu y arrives du 3 pour 1 là derrière. T'as assez long ou pas? Non, tu passes juste de. Oh. Salut, ouais. Salut. Ça va? Bah ouais, ça va. Toi pour me demander ça. Ça va, c'était pas. Pas trop cassé quand même. Si, je sais plus qui je disais ça là, que je m'étais remis à faire des transats parce que j'en avais marre des régates où il fallait manœuvrer toutes les 10 minutes. Voilà, là j'ai été servi. Pas de cache. Voilà. Ça m'apprendra. Non, c'était assez intense. Ouais. C'était assez intense, on n'a pas été que bon, mais pas complètement mauvais non plus. Donc voilà, bah c'est ma première transat qui finit à Lorient. Non, je me mets toujours comme ça pour accueillir un copain pour toi. C'était plus qu'un prologue, je pense que c'est la partie la plus dure de la transat, je pense. Non, mais c'était copieux, ouais, on l'a vu. Hein. Enfin, ça a été copieux du début à la fin. Voilà. C'était varié. Mais fallait pas perdre la transat là et on l'a pas perdu. Et au contraire, on est plutôt dans le bon paquet. Alors on a laissé s'échapper un peu de temps par moment. Sur des choix moins inspirés qu'on a eu en manche notamment. Mais bon, c'était compliqué, les conditions étaient engagées, fallait quand même placer le curseur dans la prise de risque, dans le pas casser le bateau, dans le s'abriter sous les îles en essayant de trouver un peu moins de mer, petites choses comme ça, mais bon voilà. Après je pense qu'on a... enfin, on peut être content de notre course, je pense. Ouais, on pensait que ce serait la transat la 10e. Ouais. Mais c'était bien de pouvoir en refaire une encore. Sans que ce soit la transat justement, on a encore vu pas mal de petites choses dans la prépa du bateau qu'on pouvait mettre en place d'ici le redépart. Parce que là il y a quelques jours on va essayer de mettre à profit, même si il y aura quelques. Enfin ça va pas être idéal comme condition de travail pour l'équipe technique, mais voilà. Pour nous c'est forcément, vu que c'était une prépa hyper courte, d'avoir un espèce de prologue comme ça, c'est plutôt bénéfique. Ouais. Ouais, carrément, on est dans le bon paquet, voilà, on a fait encore un peu trop d'erreurs et on a laissé les marchands de calendrier là, s'échapper bêtement, mais ça se reproduira pas. Ah ouais, je pense que vous avez dû vous régaler à la télé. C'était engagé. Hein. Pour nous, je sais pas si c'était. C'était stressant, c'est un départ, enfin, c'est le genre de choses, c'est le genre de situation qu'a ce bateau. Quoi. Donc, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un peu de dégâts. Ouais, on a essayé de rester concentré sans prendre trop de risques. On n'est pas parti sur le premier rideau, mais on s'est vite bien sorti de la bouée de dégagement en ressortant 3. En revenant en tête à Barfleur, puisqu'on est à côté de Pirelli, on les passe, ils nous redoublent. Quand on repasse J1, qu'on renvoie le riz, machin, là on est un peu tous ensemble. C'est le choix de l'extérieur qui est plutôt payant, et puis non, on est dans le bon paquet après, mais ouais. Départ engagé quand même, hein. Bien musclé. Il y avait un choix de voile à faire entre un riz, deux riz, pour la suite. Mais bon, voilà. On n'avait pas eu le temps de faire une vraie banquimage. Ça c'est fait. Oh bah ouais quand même, parce que avec les classes 40, quand on fait des Normandie Channel Race ou des Fastnet ou des choses comme ça, c'est un peu ce terrain de jeu là, des rats blanchards un peu costaud, enfin bref, on en a vu, mais c'est sûr que c'est dur, hein, commencer à être sur des gros bateaux, donc c'est assez physique, et c'est vrai quand tu es sur des épreuves comme ça, où il y a beaucoup de transitions, beaucoup de manœuvres. Ça moulit pas. Ça va qu'on a 25 ans, mais si on était vieux, ce serait vraiment dur. Ouais. On va aller se reposer un peu d'abord. Il y a besoin.